Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui, comme j'ai vu dans le titre, on se retrouve pour en route pour les 1250 trophées. J'avais déjà fait une vidéo dessus mais oula. Il y avait j'ai peur que vous entendiez des grésillements, donc je décale un petit peu le micro. Bref, j'avais fait une vidéo déjà sur en route vers les 1250 trophées, mais il y avait un petit bug de montage, vous l'avez tous remarqué. Donc je refais cette vidéo. Donc comme je vous avais dit, on fait un full archer. Voilà, on fait un full archer. Et ensuite, on va attaquer les hôtels de ville qui sont à l'extérieur, donc les villages hybrides, pour gagner un maximum de trophées et atteindre les 1250 trophées. Donc voilà, là, je fais un full archer. Donc voilà, il faut vraiment que j'atteigne 1250 trophées pour avoir les 450 gemmes. Ce serait pas mal déjà. Que je le fasse ça parce que je suis déjà niveau 48 je crois, si j'ai pas de bêtises. Attendez, je vais revoir, on va revoir ça tout de suite. Alors je suis niveau combien? L'hôtel de vie, oui, niveau combien? 49. Je suis niveau 49 et je suis à 1000 trophées. Un petit bug, désolé. J'ai même pas arrivé à 1250 trophées, sachant que mon record c'est 1100 trophées, vous imaginez, je suis niveau 49. Ah, lui il est pas mal. Bon, on va faire un autre. Là, les villages que je trouve là sont assez pas bizarres mais sont assez faibles je trouve, donc c'est pas c'est tant mieux pour moi, comme ça je pourrais les attaquer. Alors celui-là est pas mal, je pourrais même faire un 100%, j'ai bien envie d'essayer. Ouais, parce que en plus là vous voyez la tour d'archer n'est même pas enclenchée, donc comme ça me fera un nouveau succès qui est la nouvelle le nouveau excusez-moi, voilà, il y a un succès qui est tuer une tour un tour une tour d'archer je crois, et donc voilà je vais faire ce succès comme ça. Donc on va mettre pas mal d'archers, ensuite on va mettre le truc du clan, les troupes du clan, on va en mettre ici aussi, on va mettre là deux et on va commencer à attaquer tranquillement. Moi je mets un petit peu partout comme ça les mortiers vont... Ah voilà, extermination Dark X. Donc vous allez voir, je vais gagner, je sais pas combien de trophées. C'est vraiment énorme combien de trophées je vais gagner. C'est un succès, donc voilà, si dit destruction de mur aussi, c'est un deux succès. Si voilà, si par hasard vous voyez qu'il y a un tel de niveau 10 et que vous voyez qu'un arc X n'est pas enclenché, et eh bien vous pouvez l'utiliser, ça vous fera un succès. Car quand on tue un seul arc X, ça nous fait un succès. Un succès, excusez-moi. Et quand on tue, après je crois que c'est 10 ou 100, je sais plus. Allez, 50%. Voilà, brise mortier. Un peu, je me fais 3 succès en une bataille en vidéo. Mais c'est formidable. Allez. Un petit. Ah, l'hôtel de ville, tiens. On va faire l'hôtel de ville, comme ça me fera 2 étoiles. Comme ça me fera 24 divisé par 3. Par 2, carrément, par 2. Ça fait 12, ça fera 12 trophées, je crois. Il me semble, si c'est pas de bêtises. En plus j'ai 87 élixir noir, en plus je viens de gagner 97 élixir noir grâce à cette attaque. Mon premier élixir noir depuis que je suis l'hôtel de vie niveau 10, niveau 7. Et en gros depuis que j'ai commencé l'aventure sur Clash of Clans, la première fois que j'ai de l'élixir noir. C'est pas beau ça. 3 succès, l'élixir noir. Que des 2 plus. Donc voilà, je vais tranquillement tuer, si on peut dire ça comme ça, l'hôtel de ville. Et je vais me faire une deuxième étoile avec un plus de 50, 60%, voilà. Et attention, là, je vais mourir. Voilà, là, j'ai perdu. Allez, voilà, tue-moi, merci. 60%, comme vous l'avez vu. Et j'ai tué, j'ai fait 3 succès et j'ai gagné 87 élixir noir. Ah, j'ai mis un cochon. Ça devait venir de la troupe. Merci pour le cochon, petit bonhomme. Voilà, vous voyez, j'ai gagné 3 succès en bas à droite là. 3 succès, c'est... C'est vraiment énorme. On va faire un full archer net pour faire une autre vidéo dans cette vidéo. Non, une autre partie dans cette vidéo. J'avais dit une vidéo dans cette vidéo. Mais c'est pas sûr vu que cette attaque était magnifique. J'ai gagné 3 succès, 97 éclairs noirs. Et en plus de ça, 3 missions, 3 succès, voilà.
Alors j'ai détruit 5 murs lors de la bataille multijoueur, donc là je me fais 100 XP et 10 gemmes. Donc ça me fait 231 gemmes. Ensuite j'ai détruit 26 mortiers lors des batailles en multijoueur, donc ça me fait 10 XP et 5 gemmes. Et ensuite vous allez voir, j'ai tué un seul arc qui n'était même pas enclenché, donc ça veut dire que voilà, vous pouvez le faire aussi si si vous voyez qu'il y a un monsieur qui a un tel level niveau 10 et que l'arc n'est pas enclenché. Vous avez gagné 50 gemmes, c'est vraiment énorme. Et 50 XP. Voilà, et la prochaine fois qu'on gagne des gemmes grâce à... Ah mais j'ai déjà voulu des extra noirs, j'en ai voulu déjà 277. Mais ça c'était avant je pense. Et ensuite, vous voyez, comme vous voyez là, j'ai tué un Rix, et j'ai gagné 50 gemmes et 50 XP. Et là il faut que j'en tue 250. Vous imaginez? Passer de 1 à 250, c'est vraiment énorme. Donc n'hésitez pas à faire ce succès si par hasard vous voyez un arc-X qui n'est pas enclenché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait juste une attaque en route vers les 1250 trophées avec une magnifique attaque. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En plus de ça, vous avez eu un petit bonus pour l'arc-X où je me suis fait 50 gemmes. Donc voilà, j'ai 286 gemmes au fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.